Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfla. Et on se retrouve vidéo sous Brawl Stars. Oh yeah. Alors aujourd'hui les amis, nous ne jouerons pas avec Max cette fois-ci, parce que bon, il est temps un petit peu de changer un peu nos habitudes. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la miniature, nous allons jouer avec un autre personnage très costaud. Je parle bien évidemment de El Costo. Ouh, le jeu de mots, il était pas mal d'ailleurs. J'en suis fier. Bon, bref. Sur ce les amis, nous allons partir donc en survivant solo avec notre El Costo et essayer de faire tout simplement un petit top 1. Voilà. Tout simplement. Et puis après, ben, pour la prochaine vidéo, je verrai bien. Je vais sûrement me faire un petit Brawl Ball pour changer un petit peu. Et comme ça, vous aurez un gameplay complet sur notre cher Brawlster. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que El Costo est assez fort. Maintenant, sa portée, elle est moindre que notre cher Max. D'ailleurs, j'ai intérêt à dépêcher parce que là, je vois qu'il y en a un qui va venir embêter. Ah ouais, c'est sûr que tu vas y venir, toi. Allez, viens par là, que je te ramène. Viens, viens, viens. Allez, viens, viens, viens. T'as eu de la chance, mon petit. Bon, bah, je suis obligé de te laisser. Elle était plus rapide que moi. Bon, tant pis. Bon. J'ai déjà 9000 de PV, c'est déjà énorme. Par contre, toi, t'es ultra badass. T'es à faire à feu. Ah ah! Bah, c'est complètement raté. Ça, c'était l'attaque spéciale de El Costo, qui d'ailleurs est très très efficace. Ouh, ça, c'est très bon, ça. Un petit dopant. Alors, il est où, l'autre? Faut que je récupère. J'ai l'avantage par rapport à lui. Un très gros avantage. Donc normalement, ça devrait être acquis normalement le top 1. Viens par ici, toi. Viens par. Yes. Et voilà, top 1. Yes. Bien joué, El Costo. Alors voilà, premier top 1 pour El Costo en vidéo. C'est parfait. Donc voilà. Ça fait plaisir. Bon, alors, je vais regarder si j'ai pas un petit coffre à ouvrir, et puis après, on se reprendra pour faire une prochaine partie. Alors, je pense que oui. Oui, voilà, on a un très gros coffre, donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors, regardons un peu ce qu'on a gagné. Les pièces, voir, lui, ok. Et pour Brock, qui est d'ailleurs aussi très très fort, donc lui, je vais l'améliorer, et ça pour une prochaine vidéo. Ouh, gadget gluant pour Bartaba. Excellent, ça. Bon, je fais une coupure maintenant, et je vous prends ben, pour un nouveau combat. Let's go. A tout de suite les amis. Alors les amis, ça y est, on est reparti pour un petit tour en survivant et on va repartir avec notre El Costo. En tout cas, ça fait plaisir de commencer direct avec un bon petit top 1. Ou toi, je vais t'attaquer tout de suite. Et hop là, rien de plus. Ça dégage. Voilà, El Costo, il est franchement génial. D'ailleurs, ce qui est énorme avec lui, ce qui fait que c'est un très bon personnage, enfin un très bon brawler plutôt, c'est qu'il a une défense de feu. Je vous raconte même pas. Je vais attaquer dans le vent. Par contre, je vais prendre un peu de retraite. Pas non plus soulever tout le monde, hein. Faut être stratégique aussi. Oh oui! Ouh, je l'ai un peu touché. Hey. Hop là, au revoir. Ouh! Un contre un. Bon, je vais recharger un petit peu. Et là, on va. Ouh, faut encore mieux. Un petit boost, dis donc. On se fait plaisir par ici. Allez, viens par là. Il sait que je suis plus fort que lui. Et ça me fait très mal. Gagné. Et ben voilà, deuxième top 1 pour El Costo. Ouh, qu'est-ce que ça fait plaisir, ça. Ouh, il est chaud aujourd'hui. Ouh, magnifique. Et on passera en 8 avec lui. Yes, bon, ça. Ben, c'est magnifique. Que dire de plus. Bon, alors, regardons un petit peu. Où est-ce qu'on en est au niveau des coffres. On pourra encore en ouvrir un, je crois. Ouais, ben, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans. 50 pièces. 5 d'énergie pour Daryl.
On a de quoi améliorer aussi Shelly. Pas tout de suite, mais bon, ça commence déjà bien. Ok. Ah bah c'est bon tout ça. Alors, on va regarder en même temps le classement là, ici au-dessus. Il faut 1200 trophées pour avoir la grosse boîte. Ok. Bon, et ben on est parti pour un tour alors. Here we go. Alors, ici, qui est-ce qu'on va défoncer? On est parti pour un nouveau petit tour. Ouh, il y a un autre El Costo. Ouh, ça sera peut-être plus délicat. Ok, je vais faire ça parce que je dois dégager là-bas, sinon il va me démolir. Ouh, c'était pas loin. Allez hop, maintenant je prends toute la raison. Ouh, c'était pas loin, j'ai failli me faire sortir. Ouh, d'ailleurs, ouh, il a un boost. Oh, je fous le camp. Non, tu m'oublies. Oublie-moi. Non. Et il va me courir courser, hein. Non, tu m'oublies. Il a un boost en plus. Non. Non, tu m'oublies. Tu vas sur quelqu'un d'autre, mais pas moi. Non. Non, tu m'oublies. Non. Oh, mais dis donc, petit gredin. Je t'ai vu. Oh non, ne me dis pas que c'est lui, justement, le dernier. Je pourrais croire que c'est lui. Oh non, c'est même pas lui. Oh par contre, oh, il fait mal lui, dis donc. Et Brock il va se calmer. Ok, lui il est stratégique, il va essayer de m'écarter parce qu'il sait que de près je suis meilleur que lui. Ok, bon, ça va être très très tendu. Là, je m'approche. Allez. Ah, il a gagné parce qu'il s'est joué de loin, pas moi. Bon, dommage. C'est pas grave, on fait deuxième, mais c'était un beau combat final. Il y a rien à dire, il a été intelligent avec Brock, donc ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, allez, on repart direct pour un nouveau petit combat. Let's go. J'espère en tout cas que ça va tenir le coup. Je pourrai enregistrer assez de minutes, parce que sinon, c'est un peu bête. Ou par contre, toi, je vais aller direct sur toi. Tu me lanceras pas ta dynamite de loin, non, c'est sûr de question, viens ici. Viens là. Où il est? Ouh, le petit coquin il se cache. Bah, il faut gérer. Ouh, il va se prendre un El Costo dans la figure. Ok, là je me suis fait défoncer. C'est le cas de le dire. Bon, bah écoutez les amis, petite coupure et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. A tout de suite les amis pour un nouveau combat. Ah quoi que non, attendez, on va ouvrir avant le coffre. Juste deux petites secondes. Alors le coffre. Là. Alors qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans? Cette pièce, ok. Oh, on est bientôt pas loin d'améliorer El Costo en plus. Bon bah c'est génial. Bon allez les amis, petite coupure et je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. A tout de suite. Bon, et ben les amis, on est parti pour la dernière partie de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On va essayer de bien terminer. Faire un top 1, ce serait un bonus. Là, je dois en éliminer un, sinon il va me embêter. Là, toi, voilà. Et je mange tout ça. Ouh. Voir des tirs. Oh oui, je t'ai vu. Oh non, je suis pris en sandwich. Non. Ok, mouvement de réflexe. Je m'en vais. Non.
Non, non, ne me touchez pas. Non, non, non. Je ne suis pas là. Non, 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 non. C'était moi une. Holy shit. Ouf, je crois qu'on a enchaîné plus gros. Ah! Par contre, toi, je t'ai loupé et il va me tuer. Voilà, c'était sûr. Bon. Malheureusement, on fera que troisième. Bon. Pas de top 1 pour terminer. Bon, c'est dommage. Bon. C'est pas trop grave non plus. Quoique, on n'en ferait pas encore une petite pour monter au rang 8. Enfin, au rang 9, pardon. On va regarder combien est-ce qu'il manquerait là. Ouais, allez, une dernière. Let's go. On peut encore s'en faire une, comme ça, on monte de rang et en plus de ça, on débloque un nouveau coffre. On va faire ça. Donc finalement, vous avez un petit bonus, les amis, tant mieux. Ou toi, je te vois ricocher. Je sais que tu vas aller là. Et voilà. Hop, au revoir, ricocher. Donc là, on prend tout. Là, des bons petits PV, comme on aime. Oula, par contre, ça diminue vite. Il y a un serial sniper qui est là. Ouh, le wifi. Ouh, j'ai un petit souci de wifi. J'espère que ça va tenir. Comment ça a l'air d'aller? Ça, là. Je vais avec ça. Oh non, il y a un Brock. J'aime pas les Brock parce que ça va attaquer de loin. Et il est mort. Tant mieux. Ça fera un souci en moins. What? Et donc. Ah, c'était sûr que j'allais mourir, j'étais bien trop encerclé. Bon, pas de top 1, bon, la fin de cette vidéo. Bon, on gagne un petit plus 1, bon. C'est pas ça qui va me faire monter de rang. On retente, allez, on y va. On veut absolument monter de rang, au moins. Il faut faire au moins 5ème. On veut monter de rang, allez, on y va. Donc vous aurez même eu deux parties, hein. C'est quand même bien, hein, dis donc. Vous êtes gâtés, hein. Je vous gâte. Allez, hop, on casse tout, on casse tout. Et hop, on a 8000, on va aller dans le centre pour les manger, tout ça. Allez, mange. Ouh, dépêche-toi, il y a un El Costo qui arrive. Et on sait que les El Costo contre El Costo, ça finit toujours très mal pour moi. Voilà. Je me suis fait dégommer. Et j'ai rien gagné. Tant pis, on montera pas de rang pour cette vidéo. Parce que c'est un peu trop juste niveau timing. Par contre, on va ouvrir un coffre. Bon, petite consolation. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Des pièces. Des points pour un agressif. Et broc. Parfait. Bon, et ben, les amis, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez surkiffé la découverte de El Costo. Oh yeah! Et donc, les amis, n'oubliez pas l'abonnement, le like. Je compte sur vous pour m'aider dans ma passion. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, soit gaming, urbex, théorie et court-métrage, et d'autres déconnades, bien évidemment. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, et n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous adore. Ciao ciao!